Bonjour à tous, bonjour Pierre. On va suivre un match de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Rencontre intéressante. Hein. Oui, il y a des joueurs qui vont chercher à gagner du temps de jeu et pour certains, conquérir la confiance du sélectionneur. Donc, c'est des matchs très importants en fait. Et c'est le coup d'envoi du premier match de ce groupe. Avec déjà pas mal d'enjeux et après surtout une grosse préparation. L'équipe alignée par l'entraîneur. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Le long de la ligne de touche. Non, non, ça ne passe pas. Anthony Martial. Paul Pogba. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Mehmedi. La bonne passe dans l'espace. Ah non, c'est... Attention si ça rentre. Oh là-bas, attention, ça continue. Kanté. Elle a peut-être une bonne occasion. Ah non, ballon perdu. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Mehmedi. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Stocker. C'est Varane qui récupère. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Ah, il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Raphaël Varane vient reprendre ce ballon. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Mehmedi. Antoine Griezmann. Ouais, la bonne intention. Ce sera encore mieux après ce tacle bien maîtrisé. Raphaël Varane. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Il dégage directement en touche. Anthony Martial. Bien sûr, là, Paul Pogba. Le centre, c'est pour Griezmann. Stocker. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. On s'approche du but. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Elvedi. Allez, dans le couloir. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Kanté. Alexandre Lacazette. Équipe de France qui part à l'attaque. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Lundsteiner. Sur la frappe. Oh, la parade magnifique du gardien. Encore une fois à la casette. Antoine Griezmann. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Mbolo. Pas de problème pour le gardien. Ce sera donc un corner. Thank you.
deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et le tir de la casette. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. La seconde période qui démarre à l'instant même dans ce match d'ouverture. La première période a été plutôt intéressante. Avec, c'est vrai, quand même un petit peu de nervosité de part et d'autre. Il faut voir ce que ça va donner. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oui, dans la course. Anthony Martial. Dommage, hein, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Antoine Griezmann. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, le bon ballon de contre. La casette. Le gardien qui empêche l'adversaire de prendre l'avantage. Ouais, la frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. N'Golo Kanté. Stocker. Le long de la ligne de touche. Peut-être une occasion. Ouais, il a fait faute, bien sûr, coup franc. Petit changement côté suisse. L'entrée d'un remplaçant. Il place sa tête. Ah, dommage, hein. Il y avait l'occasion vraiment de prendre l'avantage. Ousmane Dembélé. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ouais, le ballon qui est perdu. Samuel Umtiti. Il s'avance vers la surface. Et la frappe d'Antoine Griezmann. L'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors t'as un favori, Hervé? Je fais confiance à l'entraîneur. Chaka. Bébédi. Attention, il a du champ devant lui. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, joli tacle. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. N'Golo Kanté. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Et ce ballon qui traîne. Anthony Martial. La frappe d'Alexandre Lacazette. Oh, le but! Le but qui leur permet de passer devant au score! L'équipe la plus forte qui est donc logiquement récompensée. Ils sont supérieurs depuis le début. Ils se sont créés plus d'occasions. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Un changement demandé. Et par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.
On va avoir du changement dans ce match. Un remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Chaka. Il ne faut pas les laisser là, les Suisses, attention. Ah non, ballon perdu. Là, ça tourne bien. Shaqiri. Le gardien qui se détend parfaitement bien. La défense française qui concède un corner. Un gardien qui repousse du point. Avec un tir. Est-ce qu'il peut se saisir de ce ballon? Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. On s'approche de la zone de vérité. Oh là là, attention. Morgan Sanson. Et le gardien qui est battu. Et en marquant ce but, il a montré à son entraîneur qu'il pouvait vraiment compter sur lui. On voit les joueurs qui posent le jeu, qui font bien tourner la balle. Et puis d'un coup, le buteur se retrouve seul face au gardien. Il prend l'information, il marque, c'est nickel. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Ouais, bonne lecture de Kingsley Coman sur cette interception. 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Sanson. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. On en restera là. C'est terminé à l'instant. Ils obtiennent cette victoire sur le score de 2-0. Voilà, ils ont eu moins de ballon que l'adversaire, mais le sous-souffle qui s'impose. Bonjour, bienvenue à tous. Match de groupe de Coupe du Monde aujourd'hui. Bonjour Hervé, on devrait assister à un match disputé entre deux équipes qui vraiment souhaitent se qualifier. C'est le coup d'envoi de ce match. Comptant pour la deuxième journée de ce groupe. Oui, après une première journée plutôt intéressante, ça va encore monter en puissance là au fil des matchs. Voici donc la composition d'équipe. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais. Au fil du match, on revient souvent à ce système. Attention, hein, ces coups de pied arrêtés sont souvent des occasions de but. Antoine Griezmann. Dembélé. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Sébastien Cristoforo. Ouais, les Bleus, cette touche. Anthony Martial. Non, ça n'ira pas plus loin. Luis Suarez. Votre sentiment sur ce qu'il peut apporter dans ce match, Pierre? Avec lui, vous êtes sûr que les défenseurs adverses auront du boulot. C'est vrai qu'il est capable de jouer un petit peu partout sur le front de l'attaque et surtout, c'est un beau. Alexandre Lacazette. Oh, le but! Magnifique! Et regardez, c'est peut-être moins spectaculaire que le lucarne, on s'est frappé à terre. Mais c'est quand même sacrément efficace. La casette qui marque. C'est très bien joué de la part de l'international français. C'est donc recevoir dans notre pays. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Mathias Vecina.
Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il a choisi de centrer. Est un centre pour Luis Suarez. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon ballon. Pas de souci pour le gardien. Attention, ça peut être dangereux. L'égalisation. Suarez. Bon, attention, c'est pas fini. Ouais, la bonne intention. Diego Laxalte. Le Suarez la frappe. Et c'est le but. L'égalisation. L'égalisation. Ah ouais, ce but marqué à bout portant. C'est plus dur de le rater quand même. Et ils égalisent donc un but partout. Ouais, peut-être une bonne occasion. Ouais. La casette. On s'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Alexandre dans la casette. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le ballon qui va arriver dans la surface. Les 30 derniers mètres. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Il a préféré dégager ce ballon. Ouais, la faute était évidente et l'arbitre siffle coup franc. On voit cette égalisation. On revoit ce but avec le ballon qui avait touché le montant avant d'entrer. Mathias Vecino. La casette. Pas de problème pour le gardien. On s'approche du but. Antoine Griezmann. Très bonne sortie du gardien qui a vraiment jailli, percuté dans les pieds. Et sans commettre de faute en plus. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Attention à la retombée. Voilà la fin des. Allez, c'est reparti dans ce deuxième match du groupe. Moi, je pense qu'on va avoir droit à un beau match. Hein. C'est déjà pas mal en première période. Espérer que ça progresse même. Allez, Pogba qui poursuit son action. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Excellente intervention défensive. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Damien Suarez. Godin. Sébastien Cristoforo, Mathias Vecino. Gaston Ramirez, Anthony Martial, Pogba. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Paul Pogba. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Antoine Griezmann. Ah, c'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action.
Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Aucune demi-heure à jouer. Ah, ils étaient sous pression, ils dégagent. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement, le joueur est sur le point de rentrer. Ah, les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Edinson Cavani, oh, s'il lève la tête, il verra qu'il a du soutien. Oui, bon, bah, oubliez ce que je viens de dire. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. La casette. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. La défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. Ouais, c'est bien dosé. Ouais, la casette va devoir s'arrêter. Il est signalé hors jeu. Alors, il était là, bien vu. La grosse. Karim Benzema, le but. Ténacité qui pique. Ce qui est plus difficile, c'est pour les occasions. La récompense est au bout. On va voir ce but d'un autre point de vue. Les deux buts à un, donc maintenant. Les 20 dernières minutes à Mosison. Sébastien Quintès. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Le duel avec le gardien maintenant. Karim Benzema, Kanté et l'arrêt du gardien. Et c'est un corner pour la France. Paul Pogba. Morgan Sanson. Non, sans problème pour le gardien. Il a préféré dégager ce ballon. Un bon ballon d'attaque. Il veut le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, c'est bien pris par le gardien. C'est dévié, ça sort en touche. On sent un petit peu de nervosité hein, côté français. Les minutes passent, elle joue pour les Bleus, mais leur avantage est quand même très mince. Ouais, l'arbitre a sifflé hors-jeu, hors-jeu. On s'approche de la zone de vérité. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Oh, une belle passe. Gaston Ramirez. Ah, c'était très mal vu, c'est l'homme. Ah, il est un peu court. Ces cinq dernières minutes qui risquent d'être très longues parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation. Le gardien qui va sortir. L'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire. N'Golo Kanté. Le centre, attention. Et le gardien a sorti au point. Ah, c'était une occasion là, mais hors jeu. La défense était bien alignée, heureusement. Ah, cette attaque qui avorte finalement. L'arbitre a décompté 3 minutes hein, de temps additionnel. C'est un centre pour Cavani. Passe de Coman, c'est intercepté. Ça y est, c'est terminé. Le coup de sifflet de l'arbitre. 2 buts à 1, c'est le score final. Bonjour, bienvenue à tous. Match de groupe de Coupe du Monde aujourd'hui. Bonjour Hervé, on devrait assister à un match disputé entre deux équipes qui vraiment souhaitent se qualifier.
Le coup de sifflet de l'arbitre qui marque le coup d'envoi de ce match qui compte pour la troisième journée dans cette phase de groupe. J'attends beaucoup de cette rencontre. On va assister à un match entre deux équipes de qualité. On découvre ensemble la composition de l'équipe. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un bras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Anthony Martial. Ce ballon qui est intercepté. À la bonne. Et bus. Lucas Piszczek. Ça part bien, action dangereuse. Aucun problème pour les gardiens. Pour le tir de Lewandowski. Et le but. Le premier but du match. Et le but signé Robert Lewandowski. Voilà, le score qui est donc ouvert 1-0. L'équipe de France qui part à l'attaque. Et bon, t'as fini, il n'y a plus le ballon. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. La passe parfaitement dosée. Vlasikovski. Allez, Pogba qui poursuit son action. Et bien, finalement, ça a été intercepté. Vlasikovski. Sont en train de poser leur jeu patiemment. Et la pétition du Lewandowski. Ouais, ça joue bien collectivement. Attention à la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Antoine Griezmann. Anthony Martial. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Milik. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Et lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Les séquences de passe. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. J'espère que c'est pas trop grave. L'entraîneur préfère le faire sortir. D'ailleurs, il file au vestiaire, à mon avis, tout de suite pour faire un premier diagnostic avec le médecin. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Les bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Ouais, bon, bah, oubliez ce que je viens de dire. Vlasikovski. Polanski. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Vite. Ça passe largement à côté. Il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. On va regarder ce que dit l'arbitre. Antoine Griezmann. Allez, mi-temps.
Le jeu qui reprend à l'instant dans cette belle affiche qui compte pour la troisième journée de ce groupe. Oui, jusqu'ici, on a été plutôt gâtés. Hein. Attention, il a du champ devant lui. Attention à la retombée. Vite. Cette tête ne sera pas cadrée. Il a marqué quelques centimètres. Encore Griezmann. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Ah oui, jaune. Carton jaune. Là, il a grillé tous ses jokers. Anthony Martial. Il s'en est fallu tout qu'il reprenne ce ballon de la tête. Vraiment. Ouais, belle détente quand même. Il ne suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Il a terminé son échauffement et il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense. Malgré la charge, il reste debout. Lucas Piszczek. Ah, impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Wasikowski avec un tir. Attention à ça. Kanté. Ousmane Dembélé. N'Golo Kanté. Martial. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ah, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Le ballon qui sort en touche après ce bon tacle. À la bonne. Wasikowski. On écarte le jeu. L'attaque va s'arrêter là. Thomas. Ousmane Dembélé. Alexandre Lacazette. L'équipe de France qui part à l'attaque. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui m'attend le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Il a choisi de centrer. Il s'avance vers la surface. Peut-être Dembélé. Ballon bien négocié par le gardien. La Pologne qui a donc concédé un corner. Attention. Pogba. Une tête passée appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. C'est intercepté par Anthony Martial. Emile Glick. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ce sera une touche pour l'équipe de France. C'est un coup hein, que tente l'entraîneur qui va procéder à ces trois changements en même temps. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Et bus. Oui, la faute signalée et sifflée. On s'approche de la zone de vérité. Lewandowski. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il va essayer d'égaliser sur ce ballon. Certainement l'un des derniers. Il regarde son sort. L'égalisation. Oh, le coup de théâtre.
survient alors qu'on est dans les arrêts de jeu. Ça va chercher ce que de nouveau son. Ils égalisent donc un but partout. Attention, ça peut être dangereux. On récupère le ballon sur ce bon tacle. Voilà, les deux équipes viennent donc d'en finir. L'arbitre vient de siffler la fin.